à la une des grandes gueules. Honnêtement, je voudrais commencer par dire que je trouve que ce débat manque de sérieux. On assiste quand même à un grand numéro de claquettes totalement hypocrite. Mais c'est du baratin, ça fait 20 ans que vous faites le même baratin. Oui, c'est ça. On va bavasser comme ça pendant des années et des années. Apolline de Malherbe, je vous rassure, c'est quand c'est difficile que c'est intéressant. Et ben heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardella, des Lopez et quelques autres avant. Vous les appelez verts, mais les gens, quand ils entendent verts, ils ont toujours l'impression que c'est un jardinier. Parce que vous savez, à Strasbourg, il n'y a pas de pêcheurs. Donc c'est à peu près aussi crédible qu'un lion qui deviendrait végétarien. Alors je vais vous dire, moi, la dictature de l'émotion de la part de la gauche, franchement, j'en ai ras-le-bol, et je pense que les Français, aussi. Vous savez, il y a ces mots de Hamlet qui me reviennent à l'esprit. Words, words, words. Des mots, des mots, des mots. Dernier débat, donc l'ultime débat, 11 têtes de liste hier sur BFM TV. Et maintenant, la parole est aux électeurs. Rendez-vous dimanche dans les bureaux de vote. Ça y est, on y est presque. Hein. Dimanche, on vote ou on vote pas. Et j'ai l'impression qu'on va surtout pas voter, puisque si l'on en croit les sondages, plus d'un Français sur deux va faire autre chose que d'aller aux urnes dimanche. Grande incertitude, car les Français choisissent au dernier moment, ceux qui votent en tout cas, pour qui ils vont voter. On sait par exemple que le vote écolo est le plus volatile selon les experts de ces élections. Dernier moment, tout peut bouger. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas, puisque chez nos amis néerlandais, on a voté avant. Et ce sont les travaillistes, donc la gauche, qui a déjoué tous les pronostics, sondages, analystes. On annonçait une victoire des populistes, des amis de Marine Le Pen. Finalement, à ces élections aux Pays-Bas, ce sont les travaillistes qui ont gagné. Donc, est-ce que les Français vont déjouer les pronostics? Est-ce qu'il peut y avoir des surprises? Est-ce que vous y croyez, Michel Grandegueule? 32-16, rmc.fr, Rose. Bah, en tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que le débat était un peu plus sur le fond, pour une fois, que les autres fois. On aurait dû avoir ce genre de débat depuis un bon moment, plutôt que d'avoir la crise des Gilets jaunes, le grand débat d'Emmanuel Macron et pas du tout le débat des Européennes. Et je trouve que ça arrive un petit peu tardivement. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'au final, lors de ce débat, on a bien vu la démarcation entre les idées de droite et les idées de gauche, et qu'au final, cette espèce de polarisation en marche et le Rassemblement national... Bah, commencer à s'effriter. Donc si au moins ça a pu permettre aux électeurs d'avoir du fond et des idées, c'est une bonne chose. Maintenant, réellement, sur les élections européennes, on se rend compte que sur les sujets qui sont abordés, on est cruellement sur du national, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a utilisé les élections européennes comme si... un peu comme une tribune politique, en fait. On a décidé d'utiliser... À partir du moment où on parle des enjeux européens, on n'a pas parlé des enjeux européens, on est beaucoup sur du national, quand on écoute, en fait, quand on voit un Bardella qui explique qu'il veut interdire l'immigration, vous croyez réellement que s'il a quelques députés, il pourra changer la politique de l'immigration de l'Europe? Mais tout le monde sait que c'est une foutaise. Donc aujourd'hui, on a effectivement utilisé ce débat et les élections européennes comme une tribune pour chaque parti, et on n'a pas réellement parlé des enjeux de l'Europe. Moi, j'aurais voulu savoir avec qui chacun allait faire des alliances au niveau du Parlement. Personne n'en parle. Et réellement, on a essayé de nous vendre, en fait, En Marche comme un vote utile. La réalité, c'est que quand on regarde le jeu des alliances en Europe, le vote utile, c'est pas En Marche, c'est ou à droite ou à gauche. C'est est-ce qu'on veut une Europe plutôt sociale ou est-ce qu'on veut une Europe libérale? Aujourd'hui, ça a commencé à se marquer. Si on veut voter utile, on a plutôt ces deux tendances-là à choisir. Monsieur Étienne Nibig. Oui, enfin, une Europe sociale ou une Europe libérale, sauf que quand on est un électeur de gauche, on est cocu, mais gravement cocu. C'est-à-dire que on se retrouve totalement éparpillé. Oui. Oui, totalement éparpillé. C'est-à-dire, moi, j'ai devant moi au moins 6 listes pour lesquelles je voterai volontiers. Parce que je ne sais pas quoi choisir. Mais non, je suis relativement d'accord avec ce qu'ils disent. Et ces idiots-là, au lieu de n'en faire qu'une seule, sont arrivés là totalement. Et chacun disant que c'est pour le bien. Oui, mais va falloir que tu décides. Pour le bien de l'Europe. Dimanche, il faudra que tu décides, que tu ailles dans l'isolant et que tu prennes un bulletin. Ou non, il peut décider de ne pas aller voter. J'irai voter parce que j'y tiens, mais c'est vrai que je suis, et autour de moi, les gens qui me sont proches sont un peu dans la même situation. Je vais même te dire que t'as pas réussi à faire ton choix avec les débats, etc., entre les six listes de gauche. Non. Puis en plus, il y a des personnalités. Donc c'est les sondages qui risquent de décider pour toi, finalement. Non, tu feras un vote utile en disant je vote pour un tel ou je fais barrage à un tel. Très honnêtement, pour te dire la vérité, aujourd'hui, je me dis pas pour qui tu votes, sinon t'es temps de parole après. Sur le plan européen.
européen, sur le plan européen, je me dis qu'une liste qui favorise l'écologie est une liste qui aura un poids. Oui, mais ils ont tous mis de l'écologie dans leur programme. Oui, mais bon, disons que je ne fais plus trop confiance à certains partis. Tu préfères les écolos historiques ? Voilà, je préfère les écolos historiques. Mais franchement, ce n'est pas avec une passion amoureuse terrible. Tu regrettes en fait qu'il n'y ait pas eu une seule liste je à gauche ? Je regrette qu'il n'y ait pas une liste de gauche menée par une femme ou un homme de gauche qui nous dise, voilà, nous, on veut cette Europe-là, et on va... Et surtout, on veut cette Europe-là et s'unir avec nos collègues européens dans un mouvement général. Si nous, on a 17 ou 18%, eh ben, on s'unira avec nos amis travaillistes. Mais ça, c'est le cas déjà depuis et toujours. Enfin, oui, tu sais qu'au Parlement européen, il y a deux grands groupes qui se partagent en gros le pouvoir. Le PPE, c'est-à-dire la droite, et les sociaux-démocrates. Ils se partagent les postes. Hein. Bon, et donc l'Europe actuelle, c'est le produit de ça. Hein. Sauf que je n'entends pas, si tu veux, je n'entends pas, moi, des discours qui me donneraient envie de voter pour ces listes-là. Je ne le sens pas. Et voilà, c'est tout. Donc je suis un peu... Et je suis cocu. Mourad, est-ce que tu es cocu comme Étienne ? C'est jamais méprisable, un cocu. Non. Moi, je suis un peu comme l'ensemble des Français. L'Europe, c'est... Hésitant. Je suis hésitant. Et puis l'Europe, c'est quelque chose encore un peu d'obscur, mais pour lequel je ne me pose pas de questions sur la nécessité d'y être. C'est indispensable si on veut lutter... Si on veut lutter face aux États-Unis, face à la Chine, et je pense que l'intérêt aujourd'hui de ces grandes puissances, c'est que l'Europe disparaisse. Je pense même qu'ils œuvrent un petit peu pour qu'elle disparaisse. Mais pour répondre à Étienne, le problème de cette élection est simple, c'est que les élections européennes, c'est l'apologie de l'ambition et du besoin personnel. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont là soit pour exister médiatiquement, de par l'obligation du temps de parole, soit pour pouvoir manger, et toucher 6 700 € par mois et avoir droit à des assistants. Je ne sais plus pour combien, mais pour une jolie somme. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'alliance, puisque chacun se dit, aujourd'hui, est en train de quasiment de préparer le crédit pour s'acheter un studio ou une maison une fois qu'il sera élu au Parlement européen. Il ne peut pas y avoir d'alliance. C'est l'apologie de l'ambition personnelle et du besoin financier personnel, les élections européennes. C'est comme ça que je le vis, moi. Sinon, il n'y aurait pas eu 30, 40 listes. S'il y avait eu une véritable volonté d'imposer des idées, il y aurait eu alliance, puisque les idées passaient avant le profit personnel. Mais là, il est bien évident que le profit personnel, c'est-à-dire ces magnifiques places où on touche 300 € avec une heure de présence... Mais quand on fait moins de 5%, on n'a pas de député. Hein. Moins de 3, on n'est pas remboursé. Le chiffre, il n'est pas inatteignable. Inatteignable pour chacun, pour le PS, pour Benoît Hamon, pour tous, il n'est pas inatteignable. C'est pas joué, c'est pas joué. Ils se disent tous avec une campagne à peu près. C'est jouable. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais c'est jouable. Donc c'est l'apologie de se dire, bon, mais là je suis un peu emmerdé, il faudrait quand même que dans le civil, dans le monde réel, celui que je prône aux Français de serrer la ceinture pour gagner 6 700 € net par mois, plus les frais, plus 300 € par jour de présence, c'est assez compliqué. Tu ne peux pas résumer un engagement politique à ça. Mais non seulement je ne peux pas, mais je le fais, je le résume à ça. Je suis désolé, c'est le problème prioritaire. Non, c'est pas facile, c'est une réalité. Le problème premier de la France, c'est qu'il y a trop de gens qui sont engagés en politique, non pas pour que le pays aille mieux, mais pour que eux aillent mieux. Et le jour où on aura véritablement des hommes politiques qui ont de vraies convictions et qui eux vont très bien et qui ont envie que la France aille beaucoup mieux, ça changera la donne. Mais aujourd'hui, la politique est devenue un métier professionnel qui permet d'avoir des acquis financiers, des acquis de pouvoir qui font que ça attire tout le monde et ça attire n'importe qui. J'ai été appelé à la Commission européenne sur un sujet précis qui était sur les Roms, et j'ai été appelé en tant que technicien. Et je dois dire que... alors évidemment, ça ne représentait pas tous les députés, mais il se trouvait qu'il y avait 9 ou 10 députés européens qui étaient... Tu es allé là-bas, allé à Bruxelles. À Bruxelles, ouais. Et j'ai devant une assemblée, et il y avait là... J'étais convoqué, et je donnais mon point de vue en tant qu'expert sur cette question-là. Et je dois dire qu'ils étaient... particulièrement passionnés par ce sujet, qu'ils avaient des idées à défendre, qu'ils voulaient faire remonter quelque chose au niveau européen de l'existence du peuple rom, etc., qu'il y avait une véritable passion. Il y avait des gens de gauche et il y avait des gens de droite, c'était pas uniquement des gens de gauche, c'était un débat très passionnant, et je dois dire que j'ai été surpris, parce qu'ensuite j'ai eu encore des contacts avec eux, j'ai été surpris par leur engagement. Ils défendaient quand même, faut pas tout voir de façon satirique, je dis pas qu'ils n'ont pas d'engagement. Non, non,
mais je veux dire que tu as quand même des engagements. Il y a des gens qui défendent l'enfance. Il y en a pas qui s'est présenté en disant « je veux défendre les Roms ». Oui, mais ils n'avaient aucune chance d'être élus. Mais non, d'accord, ça je te l'accorde. Et voilà. Mais une fois qu'ils étaient dans leur conviction, apparemment, ils avaient envie de se battre sur ce sujet, Une fois qu'ils étaient sur l'Europe élus, d'autres se battent. Je pense qu'il y a quand même des convictions qui ne sont pas toujours d'ailleurs des convictions d'ordre politique, mais qui sont des convictions d'ordre idéologique. Il y a un parti animaliste là. Bah, par exemple, Là, on le voit, regarde. Olivier prenait l'exemple des Pays-Bas. On voit que les Pays-Bas, ces derniers mois, ces dernières années, étaient sur une forte montée, quand même, nationaliste, de méfiance de l'autre. On a beaucoup parlé de la place de l'islam aux Pays-Bas. C'était d'ailleurs les partis nationalistes ou le parti nationaliste qui était en tête des sondages. Et finalement, au dernier moment, hier, on a vu les électeurs dire « Non, ce n'est pas cette tendance-là que nous voulons pour l'Europe ». En fait, on veut continuer de construire l'Europe, une Europe de circulation, une Europe de protection. Peut-être que la gauche s'est mobilisée. Bon. Non, et donc, au dernier moment, les électeurs se sont mobilisés. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça va être la même chose en France aussi? On peut penser qu'il y a un effet Brexit. Moi, je pense que la pagaille chez nos voisins britanniques autour du Brexit doit quand même réfléchir tous ceux qui nous expliquent qu'il faudrait sortir de cette Europe. Certes, sans doute, l'Europe n'est pas parfaite, mais quand on voit comment ça se passe lorsqu'on veut sortir du jeu, sortir du game, c'est pire. Et d'ailleurs, le dossier Ascoval, pourquoi tout d'un coup l'acier français devient intéressant pour les Britanniques? Parce qu'il n'y aura pas de barrières douanières. Absolument. Quand il y a des barrières douanières, tout est plus cher. Donc ceux qui nous expliquent qu'il faut mettre des barrières douanières partout autour de tous les pays, regardez ce qui se passe sur des cas très concrets d'économie. Alors la discussion continue, les européennes de dimanche. Est-ce que vous pouvez encore déjouer les pronostics, créer la surprise? Parce que là, depuis que la campagne a commencé, c'est deux listes qui doivent s'affronter, l'une devant l'autre, la majorité, le Rassemblement National. 3216, rmc.fr. Je vous lis pas mal de réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr. Je vous en lis une avant de continuer la discussion. Olivier qui m'écrit « Le match est plié à cause des sondages. La liste Le Pen arrivera largement en tête. Elle est la seule même de battre pour pouvoir battre Macron. Et pour beaucoup, cette élection serait le meilleur moyen de marcher sur Macron. Même les Français qui n'adhèrent pas au Rassemblement National iront voter pour eux. Attention, m'écrit-il, tsunami en prévision. » C'est ce que m'écrit Olivier sur Internet, rmc.fr. La discussion continue. Je me tourne vers Ramzi qui est dans la Drôme. Bonjour Ramzi. Bonjour tout le monde. Monsieur Ramzi, les 1000 euros sont pour vous aujourd'hui. Les 1000 euros RMC. Bravo, bien joué. Le coup de chance du jour, il est pour vous, mon cher Ramzi. C'était simple comme un SMS, RMC par SMS. Au 7-32-16, Ramzi vient de gagner avec les grandes gueules. Vous pouvez gagner avec Vincent Moscato tout à l'heure à partir de 16h dans le Super Moscato Show. Il suffit donc d'envoyer ce SMS, RMC par SMS au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Et à tout de suite pour les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.